Bonjour à tous, c'est Bis61 et aujourd'hui on se retrouve sur The Evil Within, donc pour la suite, le chapitre 3. Donc vous l'avez un petit peu plus tôt que prévu. Alors pour deux raisons, parce que je sais que vous êtes impatient de voir la suite, ça j'en doute pas. Pour une autre raison, c'est parce que Splinter Cell Chaos Theory, bon je vois que il a pas énormément de vues. De toute façon, je savais déjà hein, qu'il y avait une minorité de gens qui regardaient les Splinter Cell, bon, ça me dérangeait pas parce que c'est des jeux que je voulais faire. Mais j'avoue que là, ces derniers temps, c'est. Avant, ça allait, c'était supportable, on va dire. Mais là, ces derniers temps, c'est. Sans être de mauvaise foi, je pense que par rapport aux autres vidéos, je pense qu'en termes de statistiques, que ça soit de vues ou de j'aime ou de commentaires, c'est vraiment le jour et la nuit quoi, entre les autres vidéos que je fais et celles de Splinter Cell, quoi. Donc ce que je vais faire, donc le week-end qui vient là, je vais mettre une bonne partie des vidéos de Splinter Cell en ligne. Donc le même jour, mais je vais m'arranger à en mettre une le matin, une le soir, puis etc. le lendemain. Juste histoire de m'en débarrasser, c'est juste ce mot-là que je voudrais utiliser, hein, il n'y a pas d'autre mot. Je vais pas cacher ça derrière d'autres trucs. Et comme ça, on va vraiment passer à The Evil Within. Avec Outbreak, bon, Outbreak c'est pareil, il reste que deux vidéos donc c'est très court. Donc après on sera à fond sur The Evil Within et comme ça vous attendrez pas trop longtemps entre chaque vidéo. Parce qu'il y a aussi donc la troisième raison et je reviendrai aussi par rapport à un autre truc juste après pour rebondir là-dessus, c'est que Rudy aussi le fait à côté, comme vous le savez. Et c'est vrai que j'aimerais bien essayer d'être à peu près tant que. Enfin, essayer le plus possible, parce que c'est vrai que c'est compliqué parce que lui il fait des vidéos tous les jours. Et même s'il alterne avec le remake de Resident Evil, des fois il a tendance à en poster deux d'un coup, de The Evil Within. Donc j'aimerais être à peu près synchronisé avec lui, comme ça permet d'échanger entre guillemets en live, aussi bien dans les commentaires que dans les vidéos. Et ça m'évite de prendre trop de retard par rapport à lui et du coup d'attendre que moi je fasse ma partie pour ensuite regarder la scène, parce que forcément je veux pas me spoiler. Donc c'est pour ça. C'est pour ça que j'aimerais accélérer un petit peu le rythme, on va dire. Donc rebondir aussi là-dessus, donc à propos de Rudy. Donc un gros soutien de ma part, donc je tenais à le faire oralement parce que bon à l'écrit, bon on le fait parce qu'on n'a pas vraiment le choix, mais bon j'ai la possibilité justement de le faire oralement, donc je le fais. Donc un gros soutien de ma part, hein, donc pour la perte de ta chatte, donc qui s'appelle Pimpon, si je dis pas de bêtises. Donc qui est décédé donc il y a bah, au moment où je vais uploader cette vidéo là ça fera 2 jours je crois normalement. Donc voilà un gros soutien. Donc j'ai vu ça tout à l'heure, j'ai été surpris parce que honnêtement comme je t'avais dit il y a quelques mois maintenant, j'avais donc le chat de ma tante qui avait plus de 18 ans et il pétait la forme. Donc lui il faut savoir que c'est pareil, il a rendu l'âme il y a je sais pas, quelques mois, je sais plus combien de temps maintenant, mais ça fait pas très longtemps, parce que c'est quand je suis arrivé ici qu'on m'a dit qu'il était mort. Donc ça fait aller peut-être 2 mois, grand maximum, je pense. Donc à ce moment-là, il avait, je suis quasiment sûr, 19 ans, donc il a quand même vécu très longtemps, Chala. Donc bon, c'est assez rare quand même, on va dire. Mais bon, dans la moyenne, je pense à plus 16, ouais, 16 ans à peu près pour les chats. J'avoue que j'ai été étonné que bah, la tienne soit vraiment sur le point de mourir, quoi. Et je sais pas si elle avait des problèmes liés à sa jeunesse que tu nous avais dit. Enfin, tu nous avais expliqué des trucs, je me rappelle plus exactement, mais qu'elle avait subi quand elle était petite, donc peut-être que ça a influencé, je sais pas. Mais voilà, je tenais à montrer mon soutien là-dessus, parce que moi aussi j'ai des animaux de compagnie. Et c'est vrai que bon récemment c'est la série avec celui de Rudy, il y a la chatte à ma sœur aussi qui est morte il y a quoi? Un mois à peu près. Bon elle c'est pas du tout pour les mêmes raisons, c'est parce qu'en campagne, donc chez mon père, hein, puisque là comme vous le savez je suis pas chez mon père, en campagne on habite juste à côté d'une grande route. Et vu que les chats comme vous le savez à l'extérieur ça a tendance à voyager, bah le drame hein, c'est forcément il s'est fait écraser. Donc on n'a pas eu de chance de ce côté-là. Donc elle s'appelait Doucette, elle était très mignonne aussi, elle avait quoi je sais pas depuis combien de temps elle les a ces chats, parce que ça passe tellement vite maintenant le temps, je crois à peu près 2 ans on va dire.
Donc elle devait avoir dans les 2 ans et demi, je pense, à peu près, hein, je dis ça vraiment à l'arrache. Et bah, c'est pareil, elle s'est fait écraser, donc pas de chance. Moi c'est pareil, j'étais déjà là. Donc il y a eu le chat de ma tante qui est mort il y a quelques mois. Ouais, c'est vrai que c'est la série en ce moment. Donc c'est vraiment triste. Et puis voilà, c'est des animaux de compagnie sur lesquels on s'attache. C'est pas comme, je sais pas moi. J'ai déjà eu d'autres animaux de compagnie avant, genre des lapins, des cochons d'Inde, enfin des choses comme ça. C'est vrai que c'est mignon, on s'y attache aussi, mais c'est pas de la même manière. C'est comme moi, j'ai un chien, hein, je vous en ai déjà parlé, vous m'entendez souvent d'ailleurs respirer dans mes vidéos quand il dort. Et c'est pareil, j'y tiens énormément et bah, il me manque, hein, parce que là il est pas à côté de moi forcément. Mais à chaque fois que je suis en vacances et que je vais le voir, bah, forcément. Je suis content de le voir parce que lui c'est pareil, il se fait vieux et vu que je suis vraiment attaché à lui, bah, je sais que ça me ferait vraiment quelque chose le jour où il partira. Et donc voilà. Donc voilà un petit message de soutien pour toi Rudy. Donc en espérant que. Donc c'est Duchesse, il me semble, hein, l'autre chat. Donc j'espère qu'elle vivra encore très longtemps, parce que je sais pas quel âge elle a, hein. Je me rappelle plus. Mais voilà. Donc allons-y pour le jeu. Donc je m'étais arrêté là, moi. Alors faut que je me réhabitue un petit peu à jouer, parce que ça fait quand même quelques jours que j'ai pas touché au jeu, forcément. Donc pour s'accroupir, c'est pas un problème. Pour viser, on est d'accord. Le menu, c'est quoi déjà? X, c'est rien. C'est quoi? C'est rien. V, donc ça c'est le menu, ok. La lampe, je crois, c'est A. Ok. Bon, c'est bon, normalement ça devrait. Je devrais y arriver. Donc j'ai fouillé un peu, donc j'ai eu quelques-uns de vos retours. Alors par contre, le chapitre 2, donc je l'ai mis en ligne ce matin. Enfin, non, ce midi plutôt. J'allais dire ce matin, mais non, c'est ce midi que j'ai mis en ligne. Mais j'ai pas eu beaucoup de retours pour l'instant, parce que ça fait pas énormément de temps qu'il est en ligne. Il n'y a que Rudy qui a posté des messages. Mais je tenais vraiment à faire cette vidéo maintenant. Donc, ouais. On a une manière différente de jouer, hein, mais c'est vrai qu'on a chacun nos trucs qu'on loupe. Alors, moi, ce que j'ai loupé, et c'est quand même très con, parce que je suis passé devant et je me suis dit que c'était une énigme, c'était la fameuse statuette. Donc, pour ceux qui connaissent le jeu, ils ont déjà tilté de quoi je parle. Et en fait, dans les statuettes, apparemment, il faut les casser pour trouver des petites clés. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, je sais pas exactement à quoi elles servent. Si c'est pour avoir des choses bonus ou du gel vert, ou je sais pas, on verra bien plus tard. Et du coup, je ne l'ai pas pété et je n'ai pas pu récupérer la petite clé. Donc c'est ballot pour moi. Mais d'un autre côté, maintenant que je le sais, bah, les prochaines, je les péterai, quoi. Mais si j'avais pas vu la vidéo de Rudy, j'avoue que ça se trouve, j'aurais fait peut-être pas tout le jeu, on va peut-être pas déconner, peut-être qu'un jour, je l'aurais trouvé ou vraiment de manière hasardeuse. Mais c'est vrai que ouais, j'avais pas vu, donc ça se trouve, j'aurais pu faire une très grosse partie du jeu sans péter aucune des statues. Et sans le vouloir, quoi, parce que c'est vrai qu'ils ne nous disent pas la première fois, vous pouvez péter les statues, donc on s'y habitue pas. Mais c'est une réalité, quoi. On peut les casser, donc après je sais pas si c'est tout le temps des petites clés qu'il y a dedans, mais faut le savoir. Là apparemment je suis rentré dans une petite cabane. Je crois pas que je l'ai vu sur la vidéo à Rudy, à moins qu'il y a été, mais j'en ai pas le souvenir en tout cas. Ah oui, alors pendant que j'y pense, je vais augmenter ça parce que là j'allais complètement zapper. Donc je vais augmenter un petit peu la luminosité. Mais vous voyez, elle est déjà à 74 de base. Et moi déjà, ça me gâche un petit peu l'aventure puisque normalement, à régler la luminosité de manière à que la marque du milieu soit à peine visible. Et là déjà, je trouve qu'elle est pas mal visible pour moi. Mais je vais augmenter un petit peu parce qu'apparemment, c'est vraiment très sombre. Enfin, apparemment, je le vois que c'est très sombre, mais bon, vu que c'est un jeu qui se veut sombre, je dis c'est pas très grave, mais bon, c'est vrai que sur YouTube, ça peut être gênant. Donc voilà, j'augmente un petit peu, mais après, si je mets à 100%, ça serait vraiment chiant pour moi, quoi. Ah, d'accord, ok. Je les avais pas vus, j'ai failli foncer dedans. Donc c'est ce fameux passage. Donc là, je suis vraiment à la fin du chapitre 2, alors. Donc là, apparemment, il faut savoir que c'est scripté. Donc il faut courir vers. Ben, on la voit pas vraiment là-bas, mais il y a une espèce de porte là-bas. Et il faut courir là-bas et ça lance une cinématique. Putain.
Voilà, comme le dit si bien, C'est ça. putain. Ne vous occupez pas de moi. Ah, ça, je me rappelais pas qu'il parlait à ce moment-là, mais c'est pas mal qu'il le dise. Et donc, j'avais dit à Rudy, bah peut-être que j'essaierai d'en tuer quelques-uns. Parce que c'est quand même scripté, faut quand même fuir. Mais en voyant comme ça, maintenant, c'est pas que j'ai pas envie, mais je pensais pas qu'ils étaient tournés de la même manière. Je savais qu'il y en avait plein. Mais je pensais pouvoir m'en occuper un par un, en quelque sorte. Mais là, j'avoue que je crois pas que ça va être possible. S'il y en a vraiment partout. Donc à mon avis, je vais devoir courir. Celui-là, il y en a qu'un. Remarque, celui-là, il y aurait moyen que je le shoote, mais faut pas qu'il me voie là. Ce qui est très compliqué, mais apparemment c'est passé. J'en profite pour voir s'il y a des trucs. Apparemment, on dirait pas. Apparemment, il n'y a rien, donc ça va. Bah, je vais courir, hein, parce que là, de toute façon, j'ai pas vraiment le choix. Hein. Faut pas. Il va me griller direct, je vais essayer de contourner, mais bon. Apparemment, ça va, il a l'air d'être cool. Ouais, ok, c'est bien ce que je pensais. J'ai entendu un petit fond musical, je me suis dit, ça y est, il me rush dessus. Donc là, j'ai pas le choix. Oh putain, bah oui, forcément, il s'arrête, j'avais oublié ce truc-là. Parce que je sais qu'il s'est soufflé, mais je me rappelais pas qu'il s'arrêtait vraiment, bim, comme ça, en mode, c'est pas grave, quoi, il y a du monde derrière, on s'en fout. Et voilà, le chapitre 2 terminé. Donc ouais, en fait, il restait vraiment pas grand-chose à faire, quoi. Donc je vais sauvegarder déjà. Donc je suis déjà à 1h34 de jeu. Bon, c'est vrai que je prends vraiment mon temps, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a vraiment pas d'objectif, on va dire. Donc j'essaye vraiment de fouiller un maximum. Donc c'est pour ça que je suis quand même assez lent. Donc on va entamer bah, direct le troisième. Hein. Je sais pas s'il y aura une cinématique dès le départ, on va voir ça tout de suite. Parce que là du coup le troisième c'est totale découverte. Là de ce côté-là, c'est maintenant je découvre vraiment le jeu à 100%. Donc ça va peut-être prendre une autre ampleur, on va dire. Alors pour l'instant c'est scripté, hein. Je touche à rien. Ah là c'est bon, je peux jouer. Parce que là il avançait tranquillement, mais c'était pas moi qui jouais. Ok, donc on arrive comme ça, pas de cinématique. Super, donc... Alors on va commencer à fouiller. Je sais pas si on peut l'ouvrir, ah, on peut le péter. Mais encore une fois, il n'y a rien dedans. Putain, ils sont vachement radins. Donc je vais vraiment faire attention au décor maintenant. Chapitre 3 dans les griffes de la Horde, ok. Ça présage rien de bon. Putain, mais y a plein de trucs à péter, mais il n'y a jamais rien dedans. C'est ça qui me fait halluciner. Ah, petite seringue. Pas de documents, pourtant on pourrait croire. Ok. Donc là, il y a deux chemins. Donc ça, c'est la barque, ok. Il n'y a rien de spécial de caché. Ah, remarque, si. J'ai le verre. Ok. Bah, c'est pas mal, on trouve quand même des trucs. Mais c'est vrai que je suis étonné parce qu'il y a vraiment énormément de caisses à péter. Et pour l'instant, j'avoue, j'ai vraiment pas grand-chose dedans. Et est-ce que c'est psychologique? J'en sais rien, mais j'ai l'impression que dans la partie de Rudy, il y en a plus, quoi. Quand lui, il pète les caisses, je trouve qu'il y a plus de choses, j'ai l'impression.
Donc j'hallucine peut-être, hein, comme je vous dis, c'est peut-être psychologique, mais... Je suis un peu étonné quand même. Ouais, faut que je fasse attention parce que là c'est vrai que j'ai tiré, mais parce que je suis habitué à faire clic gauche pour taper, mais c'est vrai que là pour pas prendre de risque, faut appuyer sur F. Faut que j'y pense à ce truc là. Parce que ça peut me jouer des tours. Là on entend des bruits chelous là, c'est pas très rassurant. Je vais rester en mode furtif. Et on va avancer tranquillement. Alors c'est enflammé, je sais pas ce qu'il veut cramer là. Ah, le tas de cadavres, ok. Bah c'est pas une mauvaise idée parce que je crois qu'on va rester bloqué sinon. Donc on va cramer tout ça. Voilà, impeccable. Donc là pour l'instant c'est parfait. Oula, la porte qui s'ouvre toute seule. Il y a des courants d'air. Bon, il n'y a pas grand chose à faire ici. J'y vais mollo, hein. C'est vrai que j'avance très très lentement, mais j'essaye vraiment d'essayer de louper le moins de trucs possible. Ok, ça sent la grosse baston. Merde. Ah, quoique, il n'y a personne. Bon, déjà, il y a un checkpoint, ça c'est pas mal. Ouais, c'est pareil, faut que je m'habitue à grimper aussi au-dessus des éléments, parce que Rudy aussi a dit que j'ai pas monté sur une charrette. Mais je pense que j'ai dû essayer de le faire, mais vu que j'ai pas eu le réflexe d'appuyer sur espace pour grimper, je pense que c'est ça qui m'a joué des tours. Parce que normalement, je pense que je l'aurais fait. Hein. Ce qui me semble, dans mes souvenirs, que j'ai vu une charrette et que j'ai tourné autour pour essayer de monter. Mais je crois que j'ai pas eu le réflexe d'appuyer sur espace, pardon. Et du coup, bah, j'ai pas pu récupérer ce qu'il y avait dedans, apparemment. Donc je crois qu'il y avait du gel vert, hein, il me semble. Donc bon, c'est pas non plus dramatique, hein, mais bon, c'est dommage quand même de passer à côté. En sachant que je pensais justement la fouiller, quoi. Donc c'était ballot de ma part. Donc ça, ça se pète pas, ok. Bon, je vois pas grand monde hein, pour l'instant, mais je sens vraiment la horde de mecs arriver d'un coup, là. Surtout quand il fout des checkpoints comme ça, c'est pas pour décorer. Truc qui souffle tout seul et tout, ça le fait moyen, on se demande pourquoi. Bon là c'est barricadé, on a compris le truc. Oula, qu'est-ce qui t'arrive? Te casse pas la gueule. Ça on peut pas le péter. Je pense qu'il y a personne, hein. Je vais pas rester en mode furtif tout le temps non plus. Ah, hein. Il y avait une option là. Ah, je l'ai eu là. Ah là, voilà, d'accord. Ah bah c'est une bouteille, ok. Peut-être pour faire diversion. Enfin bon, je ferai diversion quand je verrai des mecs, surtout parce que là pour l'instant il n'y en a pas. À part ceux-là. Je vais peut-être les cramer, j'ai pas confiance. Ah mais il y en a combien à cramer en tout? Ah, s'il y en a que deux, ça va encore. Je vais cramer les deux. Ah merde, s'il s'est réveillé avant. Oh putain. C'est quoi ce bordel? Il doit pas être tout seul lui. Ok ok, ils sont combien là, juste comme ça? Tiens, mange la bouteille. Je sais pas si c'est très efficace mais bon. Donc là j'ai pas le choix. On va devoir s'en débarrasser. Alors, est-ce qu'il y a moins que je me planque sans qu'il me chope? Je vais essayer, mais... Ouais, non. Voilà, à 2 balles, ça c'est parfait. À chaque fois, il fallait leur mettre 3 balles pour leur mettre des headshots, ça va 5 minutes. Donc oui, là, je préfère cramer parce qu'honnêtement, je sais... Ah d'accord, ok, c'est la joue à la RE4 où il lance des faucilles, pourquoi pas. C'est un bim dans ta gueule. Donc je disais, honnêtement, pour l'instant, je sais pas du tout si faut cramer que ceux qui sont entiers, ou si on leur fait des headshots, y a plus besoin, tout ça, je sais pas.
Honnêtement, j'en sais rien du tout. Il n'y a aucune explication là-dessus. Donc, est-ce que jamais. Enfin, est-ce que je me mets en mode. Je fais Resident Evil Remake et je crame que ceux que je décapite pas. Je ne sais pas, honnêtement. J'ai quand même des doutes. Donc, ça se trouve, justement, il peut jouer avec ça et se dire voilà, il y en a plein qui ont fait le remake, donc je vais me foutre de votre gueule en les faisant réveiller, même s'ils ont plus de tête. Donc, je sais pas trop. Franchement, pour l'instant, j'ai des doutes, quoi. Donc, on va continuer de fouiller. Il y a vraiment des mecs partout. Ah, je suis plein, bah ça tombe bien parce que je vais me soigner parce que c'est vrai que j'ai pas le réflexe de le faire, mais chaque fois je suis à un tiers de vie en fait. Voilà. Je vais même me mettre full puisque là je vais récupérer celle-là. Comme ça j'aurai un petit soin de côté. Hop, impeccable. Et normalement si on bouge pas, la vie remonte toute seule. Ouais, c'est ce qui se passe. Bon, c'est un petit peu lent, mais bon. Ça peut valoir le coup, disons. À certains moments, si on est vraiment en danger et qu'on n'a pas du tout de. Oula, attention, je pète les vitres. Je pensais pas que j'allais la péter, la vitre. Bon, on peut pas passer à travers, dommage. Là, il y a une espèce de tiroir, mais je pense pas qu'on puisse l'ouvrir parce qu'il n'y a pas les options ouvrir, machin, comme il pouvait y avoir dans les RE, quoi. Donc, on ne sait pas trop. Bon, allez, je rentre par la porte d'entrée. On la joue honnête citoyen, on va dire. Même si les gens ont l'air un petit peu spécial ici. Ah, petite musique. Alors, il y a plein de bouteilles. Ça, c'est une musique qui était utilisée pour le trailer, ça. Bon, on va aller par là d'abord, je sais pas. Ah, il y a un bouquin apparemment. Ah, ok. J'étais pas sûr de moi, mais ouais, je me doutais qu'il allait y avoir un miroir pas loin. Donc c'est cool, ça on va pouvoir augmenter nos compétences, mais avant, je lis ce petit truc. Alors, journal de Sébastien Castellanos, décembre 2004, premier jour en tant qu'inspecteur, ma nouvelle partenaire, Mira Hanson, est une vraie dure à cuire, directe et obstinée. Tout ce que j'aime chez une femme. Par contre, il faut que je me tienne à carreau avec elle. Elle a déjà failli me surprendre en train de la reluquer. Ok. Ouais, alors j'ai peut-être pas forcément envie d'y aller direct. C'est quoi ça? Oh là, heureusement que je l'ai pas zappé ça. Parce que là, les fragments de cartes, j'avoue que c'est utile. Et j'ai tendance à. On ne fait pas forcément attention à ces fragments de cartes, mais. Si on doit tous les récupérer pour enfin avoir la carte, j'espère ne pas en avoir loupé. Même si j'ai des gros doutes quand même. Allez, c'est reparti pour se faire optimiser le cerveau. Je vais quand même vérifier s'il n'y a rien à prendre. S'il serait peut-être capable de nous remettre des trucs. Bon, ça brille pas là non plus. Bon, ok. Allez, on va se promener. Bon, je vais quand même vérifier les autres portes au cas où. Je vois qu'il y a un lit, mais il n'y a personne. Je vois qu'il y a des chiottes, mais il n'y a personne. Et là, je vois un lavabo. Et c'est tout. Ok. Il n'y a pas grand-chose, quoi. Vous vous sentez mieux? Ouais, je sais pas si c'est le mot, mais on va dire oui, pour te faire plaisir. J'ai bien fait de regarder la meurtre en série. La série de meurtres continue, la police est perplexe. Comment le tueur fait-il pour ne laisser aucune trace? De nouveaux corps ont été trouvés près du village d'Elk River. Les habitants se sentent pris au piège chez eux. Ok. D'accord, je sais pas si ça a un lien avec notre histoire. Bon, j'imagine que oui. Ah, ça c'est notre ami Conley, qu'on lui a pété la tête, je crois, il me semble. Enfin, oui, il me semble que j'avais buté en headshot. Donc, disparu, agent Oscar Conley de la police de Crimson City, a disparu pendant sa patrouille. Sa voiture était abandonnée aux abords de la ville. Bon, on l'a buté, quoi.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais j'ai l'impression qu'on est dans un monde parallèle. Hein. Je vais commencer à émettre des hypothèses que j'en avais parlé dans les commentaires. J'ai plusieurs hypothèses. Alors, soit on est nous-mêmes patients, alors on l'était peut-être pas dès le départ, mais on est devenu un patient de l'hôpital psychiatrique et du coup on hallucine totalement. Donc tout ce qu'on fait, on hallucine. Donc enfin, c'est soit ça pour moi, ou soit on est arrivé dans une espèce de monde parallèle à la Silent Hill avec un monde alternatif où là, vous voyez, donc là, Conley, apparemment, il semblerait que il est disparu alors que dans notre monde alternatif, c'est nous qui l'avons buté, quoi. Donc pour l'instant, c'est un peu ces hypothèses-là que j'ai. Donc je sais pas du tout laquelle est la bonne, on verra plus tard. Mais j'avoue que. Enfin, je vois bien un truc dans ce genre-là, quoi. Après, je peux me tromper, hein. Mais je vois bien un truc dans ce genre-là. Donc je sauvegarde. Et je vais aller me promener. Je sais pas pourquoi la grille est de nouveau fermée. Ah, il y a le miroir là aussi. J'ai peut-être pas l'utiliser. Ça, on peut pas l'ouvrir, c'est fermé. Ok. Est-ce qu'il y a des nouveaux trucs ici? Je fouille encore une fois. Bon, il n'y a pas la carte qui était par terre. Je crois que d'ailleurs que toi, Rudy, tu l'as pas prise. Enfin, il me semble. Il semble pas que t'as vu qu'il y avait une carte derrière le fauteuil. Alors, qu'est-ce que j'avais augmenté déjà le toit? Ouais, c'était le stock, donc j'avais pris stock de balles et allumettes. Ok. Donc là, j'ai 3900. C'est tellement cher aussi. Bon, les grenades, pour l'instant, on va dire que non, parce que bon, on n'en a pas encore trouvé, donc je dirais que c'est pas indispensable. Après les dégâts du flingue, ça se trouve on va peut-être trouver des flingues meilleures. Après je sais pas du tout. Ça sera peut-être d'autres genres d'armes, hein, mais je peux pas exclure que les pistolets, on va peut-être en trouver d'autres. Donc je préfère attendre avant d'augmenter celui-là. Et les aptitudes, jauge de vie, 110. C'est tellement cher pour peu. C'est vraiment pas grand-chose quoi. Le sprint, honnêtement, j'ai vraiment pas envie de l'augmenter ce truc. L'attaque au corps à corps, ouais. Efficacité des seringues, ça peut être intéressant, Marc. Mais c'est ultra cher. Donc je pense que je vais continuer à augmenter mon stock, moi. Stock de pistolet. Tac. Et puis, bon, allez, les allumettes. Voilà. Donc là, il me reste un petit peu de sous, mais je préfère garder ça pour plus tard. On va y retourner comme ça. Donc là, je suis déjà à 27 minutes. Donc je vais pas trop perdre de temps à rester ici. Donc je pourrais sauvegarder là-bas, comme Rudy l'a dit, parce que, en théorie, si on meurt, je risque de le regretter, parce que je vais devoir me retaper les optimisations, mais ça me dérange pas plus que ça, on va dire. Je m'en fous un peu. Plus tard, peut-être, je dis pas, mais bon, là, retourne en arrière pour sauvegarder, c'est pas grave. Je prends le risque, on va dire. Ok. J'ai pas tout compris. Mode furtif. Il est possible de se faufiler près des bombes sans les faire exploser. Ok, donc ces bâtards, ils nous mettent des bombes. Ok, ils préviennent pas en plus. Ça, c'est marrant pour ceux qui ont vu Splinter Cell, ça va leur rappeler des bons souvenirs, je pense. Parce que là, c'est vraiment la même chose, quoi. Alors, moi, je veux juste prendre le contenu, là, les balles. Enfin, si je peux les prendre, ça serait pas mal. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. Ouais, parce que je dis Splinter Cell, parce que c'est pareil. Il y avait des mines comme ça, et ça m'est arrivé je sais pas combien de fois dans n'importe quel Splinter Cell, d'ailleurs. Soit le premier, le 2 ou le 3. Le premier, je m'étais fait péter deux fois, je crois, comme ça. Et le 2 et le 3, c'est pareil, je me suis fait péter quelques fois, comme ça. Parce que des fois, on entendait les mines, mais on savait pas où elles étaient, et je me faisais baiser comme un bleu. Oh putain, c'est quoi ce truc? Faut les désamorcer, mais ça se fait pas automatiquement, ça va être sympa, ça. Alors, espace, arrêter l'aiguille, bleu, succès, rouge, échec. En arrêtant l'aiguille dans la zone bleue, en moins d'un tour de cadran, vous désarmez le piège. Donc si je le fais en plus d'un tour, j'explose, j'imagine. Je sens que ça va être l'enfer. Et merde. Putain. Oh la vache, putain, je vais pas kiffer les bombes, je crois.
Oh, le pauvre héros, il a déjà pris ultra cher, là. Ah, putain, s'ils nous mettent des mines aussi. Ah, c'est salaud, ça, quand même, le coup des mines, là. C'est vraiment le coup de pute par excellence. Ah, un petit peu de gel vert, ça, c'est cool. Peut-être quelque chose ici. J'ouvre, mais bon, à chaque fois, ça propose de se cacher. Mais comme je vous avais dit l'autre fois, peut-être que y aura un objet un jour. Faut mieux essayer, hein, ça coûte pas grand-chose. Et donc, moi, de toute façon, je viens de là, normalement. Ok. Bon, on va à l'étage. J'espère qu'ils vont pas nous faire le coup de la cabane de RE4, parce que là, je vais pas trop kiffer. Avec le peu de balles que j'ai. Alors, est-ce qu'on peut le péter, ça? Ah ouais. Ramasser. Ou c'était peut-être la bouteille. Ah, mais c'est bon, la recule. J'ai pas envie de rester coincé ici. Même ces petits trucs-là, on peut les péter, donc faut que je fasse attention à tout ça, alors. Je sais pas s'il y aura des trucs dans ceux-là, mais bon, on ne sait jamais. Hein. C'est peut-être des gros vicieux, donc faut que je fasse attention. Morali, ok. Oh putain, c'est quoi ce bordel? J'aime pas ça. Je vais me planquer. Pourquoi ils disent ici, par ici, là? Ils vont débarquer ou pas? Oh, je vais pas y passer la nuit, je vais ressortir, mais j'avoue que là, j'aime pas trop entendre des voix humaines, ça me rassure pas. Ils sont peut-être plus intelligents que les monstres. Ah! Grenades, les fameuses grenades qui ressemblent d'ailleurs à des grenades allemandes de la Seconde Guerre mondiale. Donc cette grenade à manche est une relique du siècle dernier. On ignore comment elle a pu atterrir dans les mains de particuliers. Ouais, bah ça les arrange, ça évite d'expliquer leur origine comme ça. Alors, est-ce qu'on voit des choses à travers la vitre? J'ai l'impression que ça me remet à l'endroit d'où je viens. Qui est là? Non, ne tirez pas. Je ne suis pas comme eux. Je suis docteur Marcelo Jiménez. Vous étiez dans l'ambulance avant l'accident, c'est ça? Oui, on l'a échappé belle. Vous n'avez pas vu les autres? Seulement mon patient, Leslie. Je l'ai vu fuir par là, mais... Mais? Voyez par vous-même. Mais pas un bruit. Voyez par vous-même. Bon, déjà, ça, c'est vivant. Là, il y en a un où. Il y a déjà deux meubles là, qui nous attendent. Donc je vais pas te suivre direct, mon garçon, parce que quand on fait ça, en général, c'est qu'on a des choses à cacher. Donc je préfère vérifier avant de bourriner, si ça te dérange pas. Peut-être rien à prendre, hein, mais bon. Qui tente rien n'a rien, comme on dit. Petite caisse. Attends, je pète les vitres de partout, là, alors que j'y touche même pas. C'est juste parce que je suis à proximité, je pète tout ce qui est à côté. Pas grand chose. Ah ouais, donc là je vois où ça mène. C'est là où j'avais essayé de monter tout à l'heure, mais je pouvais pas. Et là ça m'emmène où? Je sais pas trop où ça mène. Je préfère tourner en arrière et bien fouiller d'abord. Parce que là il y a encore plein de chemins. Je sens que je vais zapper des trucs. J'aime pas trop cette manivelle déjà. Ça se pète pas. Ah, c'est scripté là, c'est pas moi qui joue. Voyez par vous-même. Ces choses, elles m'ont poursuivi jusque dans le village. Moi aussi. Il y en a partout. Leslie est passée par ce portail. Ah, comme par hasard. Seigneur. Il y en a trop pour qu'on passe en force. L'un de nous pourrait tenter de les éloigner pendant que l'autre ouvre le portail. Vous êtes le seul à être armé. Je m'en serais pas douté. Je voyais pas le truc venir à 10 km, je vous assure. C'était à prévoir, je me doutais, putain. Et lui en mode glandu, je vais regarder, quoi. Bon, j'ai compris, on doit s'occuper du sale boulot. Ces maudits pièges. Il y a une manivelle sur la terrasse.
Actionnez-la que je puisse passer. Ah bon bah ok. Je pensais que c'était à lui de le faire. Alors oui, faut spammer sur espace, ok. Ah oui, il passe par en dessous, d'accord. Et si je relâche, il meurt. Ça serait drôle, ça. Avec les gros pics qu'il y a dessus, en plus. Faut que je fasse quoi? C'est un stand de tir? Je vais faire diversion? Je pense pas. Bon, je vais continuer là-bas, on verra bien. Par ici! Là! Quoi, là? Hé! Hey, par ici! C'est ça, suivez-moi! Je crois pas que ça soit la meilleure stratégie, mais bon. Il va juste réussir à se faire tuer. Ouais, fais-toi buter, ça m'arrange. C'est marrant, c'est qu'ils suivent comme des cons, quoi. Bon, bah, salut. Bah, je vais pouvoir y aller, alors. Bon, je vais passer par là, moi. Je sais pas si ça mène au même endroit, mais bon. J'ai envie d'aller par là. On entend des bruits de monstres étranges, là. Peut-être notre premier boss, ça se trouve. Bon, c'est pas avec les balles que je vais aller loin, mais bon. C'est peut-être un mini-boss, remarque. Est-ce qu'il y a des trucs? Non, putain, on voit rien. Enfin bon, je dis ça, mais le truc, il va me sauter à la gueule bientôt. Ah, mais c'est bon, là, je... Je veux quitter le mode caméra, là. C'est quoi, ce bordel? Oh, oh. Bon, allez, là, qu'est-ce qu'il fout, là? C'est quoi, ce bordel? Ah, bah, voilà. Je sais pas sur quoi j'ai appuyé, là, pour annuler, mais j'avais pas appuyé sur tous les boutons, ça voulait pas marcher. Enfin, les principaux, quoi. Bon, y a pas grand chose, faut se cacher partout. Bon, après, c'est vrai que s'ils nous donnent des grenades, c'est pas pour faire joli, hein, mais bon. D'accord. Putain, mais je trouve le moyen de tirer à côté, mais c'est pas possible, ça. Vas-y, shoot-moi la tête, je te dis rien. Je pensais que le héros, il allait contrer. Voilà, dégage. Bah, je donne peut-être l'impression de pas être très réactif quand je joue, mais... C'est parce que vu que je connais pas encore bien les mécaniques de jeu, je sais pas comment ils réagissent, les héros, les ennemis. Donc des fois, j'hésite un peu à tirer pour voir vraiment comment ils fonctionnent, s'il y a moyen de les étourdir, un peu comme le RE4, quoi, par exemple. Là, faut recharger. Bon, ça va peut-être aller, là, je pense. Bon, je vais pas les cramer, ceux-là, par contre. Parce que j'ai pas beaucoup de... J'ai plus grand-chose. Ah ouais, c'est vrai que j'aurais pu me planquer, je suis con, hein, au lieu de tous les buter comme un abruti. Oh, bon, tant pis, hein, c'est fait, maintenant. C'est pas ce que je voulais. Enfin, je voulais me soigner, mais bon, je me rends compte que j'ai plus de sang. Ok. Peut-être qu'en arrêtant de bouger, ça va remonter. Ah ouais, ça remonte. Impeccable. Bon, j'attends un petit peu. Ouais, je suis déjà bientôt à 40 minutes. Donc là, je ferai pas une vidéo d'une heure, hein, comme j'ai fait l'autre fois, mais... C'était pas volontaire, hein, vous doutez bien, mais... Parce que je connaissais pas encore le... comment ça fonctionnait, le truc. Mais là, je ferai pas une vidéo d'une heure. À moins qu'il y a vraiment pas de checkpoint pour me casser les couilles, vraiment comme il faut, mais... Ça sera pas de ma faute, quoi. Petite allumette, c'est pas ça. Hop. Donc je vais me soigner. Voilà. Et on est reparti. Donc là, il y a un petit piège bien mignon. Hop, qui va rejoindre ma collection. Voilà. Bon, j'aime pas trop le bruitage, là. Il a pas l'air d'être commode, le mec qui m'attend. Petite hache. Ah, on peut la récupérer. Ça, c'est pas mal, ça. Je pense qu'il y a moyen de faire des dégâts avec ce truc-là. On peut rien casser, là. Peut-être ici. Ouais, bon, y a rien dedans, quoi.
fermée comme par hasard. Je pense que je vais vraiment pas tarder à le croiser, mais je sais pas qui c'est. C'est le mec à la tronçonneuse ou un autre. Je vais pas comprendre ma douleur. Donc une petite bouteille, ok. Encore une bouteille. Putain, pour qu'il nous donne autant de trucs, c'est que ça peut nous servir à faire diversion. Lui, je vais pas prendre de risque, je vais le cramer. Hop, quelques balles. Ça, c'est parfait, parce que c'est pas vraiment... J'en ai pas des masses, disons. Donc, je vais recharger. Voilà. Je ramasse la hache, parce que je pense que je vais économiser avec ça. Ça pourrait être pas mal. Donc là, y'a rien. Et je suis à 40 minutes, ok. Enfin, plus bientôt 41, on va dire. Donc, là j'y étais. Putain, il en a pas marre de gueuler l'autre. Hein. Il va vraiment m'arriver sur la gueule, je vais pas comprendre ma douleur. Putain, encore une bombe. J'ai essayé de la désamorcer, mais bon. Putain. Faut que je prenne l'habitude, pourtant c'est simple, hein. Faut juste se dire avant que ça arrive au bleu, t'arrêtes, et comme ça t'es sûr que ça s'arrête dans le bleu, quoi. Ça c'est une technique, c'est comme le coup de la girouette, enfin des deux girouettes dans le remake, hein, mais faut que ça vienne, faut que j'ai cette habitude, une fois que ça sera rentré, ce sera bon, mais là vu que je connais pas encore bien le jeu, je me fais comme une merde. Donc là j'ai attendu un peu avant de me soigner, tant que ça régène. Et c'est reparti. Bon. J'ai le verre. Petite caisse vide. Ah, là, je sens qu'il va m'arriver sur la gueule. Je vois bien sortir de la grande porte, là. Ah, remarque, c'était pas celle que je voulais ouvrir. Ah, je sais pas, en fait. Il vient de là ou pas? Bon, je vais essayer d'ouvrir. On peut pas. Il va vraiment pas tarder à m'arriver sur la gueule, je sens. J'aime pas trop ce truc-là, ça sent le piège. J'espère que je vais pas me le bouffer. Mais là, je sens que si je passe ce truc-là, ça va être une aire de combat, là. Je sens venir. Oh là, s'il y a un point de contrôle, c'est sûr. Il va arriver, là. Je sais pas où il est. Il est pas là. Il va me sauter sur la gueule, je vais rien comprendre. Bon, y a pas de monstre là en bas. Je vais d'abord faire un peu de repérage vite fait. Ouais, il va m'arriver sur la gueule. Ça va être bien comique, vous savez déjà ce qui va se pointer, moi je vais pas comprendre. Alors, encore des, j'allais dire des balles, mais non, des allumettes, ouais, du foin cramé, je sais pas pourquoi ils en mettent là, mais bon, je pense que je vais le cramer. Oula, du soin, ouais, pour qu'il donne autant de choses, honnêtement, là, je crois que on est bon pour le combat, là. Je vais regarder où j'en suis niveau munitions. En stock, j'en ai 7, ok. Enfin, avec les 6, j'en ai 13, quoi. Bon, ça va, j'en ai pas mal. Bon, après, je sais pas s'il sera résistant, mais... Je sais pas du tout si ça va être un boss costaud ou pas, mais... Je vais tenter un peu le corps à corps, en mode kamikaze. Je sais pas du tout ce qui va m'arriver sur la gueule. Hein. Je sais pas si c'est le mec à la tronçonneuse ou autre chose. Mais je vais tenter... Il y a pas un truc à ramasser, là. Frapper? Pour faire quoi? J'ai pas trop compris le délire. Mais ouais, je vais tenter le corps à corps, voir s'il y a moyen d'étourdir, de faire des petites techniques pour économiser des balles, hein, tout simplement. Quoi. Quitte à mourir, c'est pas... ça me dérange pas. J'ai envie d'essayer des choses.
Alors cette fois, je vais pas me faire niquer par ce piège pourri, parce que l'autre fois, j'avais voulu désamorcer, mais vu que j'étais pas en mode furtif, je me suis fait avoir. Et là, ça va pas se passer comme ça. Donc là, il y a une petite échelle. Donc ça peut servir de raccourci, je sais pas pourquoi, mais au moins, elle y est. Je sais pas où il est le truc, mais je sens vraiment qu'il va me sauter sur la gueule d'une minute à l'autre. Un peu de gel vert. Bon, on est pas mal là. Y a pas d'ennemis, juste un bruit environnant. Et puis je sais pas combien de minutes. Mais à part ça, ça va. Bon, on va cramer ça. Je pense qu'il y a des choses derrière. Ah oui, en plus, ça détruit les trucs et tout. C'est vraiment pas mal. On peut s'en servir pour plein de trucs. Et encore des allumettes. Ça, c'est quoi? C'est rien. C'est marrant parce qu'il y a des trucs à péter qui semblent être résistants, qu'on ne pourrait jamais casser, limite, dans la vie réelle. Et puis... Et puis là, il te fout un panier, tu peux pas le péter. C'est ça qui est assez comique. J'aime pas trop le marteau, les haches et tout, là. C'est ce que je vais me manger dans la tronche, c'est ça? Bon, allez, on la joue bourrin, là, on avance vite, quand même. Parce que là, je suis déjà à 46 minutes et je sens, et j'espère pas, me taper une vidéo d'une heure, ça serait pas mal. C'est bon, je sais qu'il y en a, ça les dérange pas, hein, et j'en suis conscient. Donc pour eux, bah, c'est cool, j'ai envie de dire, c'est parfait, même. Mais je sais que pour les autres, bah déjà, trouver une demi-heure dans la journée pour garder une vidéo, c'est déjà compliqué. Alors une heure, on va pas exagérer les choses, quoi. Puis je suis aussi conscient que vous regardez pas que ma chaîne, donc... Donc voilà, quoi. Donc par ici, on est déjà passé, du coup. Donc je reviens sur mes pas, finalement. Donc du coup, bah je vais retourner en arrière par là-bas, hein. Mais je le vois toujours pas, le mec. Donc moi, j'ai été là-bas, y a pas de souci. Ah, y a un mec là-bas. Deux. Mais on entend traîner les chaînes comme s'il était à côté, mais je le vois pas. C'est quand je vais retourner en arrière que je vais me le bouffer. Je sens que ça va être très violent pour moi. Ouais, ok, déjà, on entend les bruits et on voit un bonhomme. Donc je vais me planquer, on va voir si ça marche avec lui. Puis je vais essayer de le tuer en mode furtif. Bon, ça va, il monte assez rapidement les marches. On va voir. Mais ce qui est chiant, c'est que là, je vois le compteur défiler, je me dis que je vais quand même faire niquer avec une vidéo d'une heure. Là, je le sens venir à 2 km. Oula, il y a le battement de cœur du héros qui s'accélère, là. Bon allez, dépêche-toi de marcher, on n'a pas la journée. Putain, j'aurais dû utiliser la bouteille pour aller plus vite. Parce que là, merci le temps, quoi. Quand tu veux, Bobby. Je sais pas ce qu'il a autour du cou, c'est une corde. Ah oui, c'est un ancien pendu, en fait. Il a une chaussure et l'autre, il est pieds nus, normal. C'est quoi, c'est des intestins qui dépassent de son ventre? Ah bon, on dirait. Sympa. Allez, viens par là, je vais te buter. Hop. Voilà, fais dodo. Mignon. Je préfère le cramer. J'ai pas confiance. Et il a rien à me donner. Le contraire m'aurait étonné. Donc je prends la bouteille au cas où pour le prochain mec. Donc je prends pas la torche parce que je sais qu'apparemment on peut cramer des choses en tapant avec. Mais je préfère une bouteille. What? T'es sérieux toi? Les mecs ils me tirent dessus, what? Je savais pas qu'il y avait des armes à feu chez les ennemis. Putain, la vache, il m'a pas loupé, en plus, première balle, hop, voilà, je te dégomme, quoi. Ou est-ce que c'est lui, le mini-boss? Que remarque, on n'entend plus personne gueuler.
Je sais pas trop en fait. Je vais essayer de le choper, mais lui, je sens qu'il va pas être assez. Il va pas être facile à avoir. À moins que. Ah, apparemment, si. Bah, lui, je pense qu'il va me donner des munitions de flingue, ça serait cool. Non, même pas. En mode gros seum. Peut-être quand le cramant il va donner un truc, je sais pas. Ah là, je l'ai pas vu venir, là, le coup de feu, là, comme ça. Hop, vas-y, je te déglingue la tête, y'a pas de problème. Ok. Bon, bah, j'ai intérêt à me méfier encore plus, alors. Allez donc. Le temps des recats avec les arbalètes, ça va me manquer, hein. C'était un peu moins efficace. Alors, est-ce que ça, je peux l'ouvrir? Non. J'avais pas trop essayé tout à l'heure. Bon, au pire, je peux toujours sauvegarder à côté, donc c'est pas un problème. Bah, c'est ce qu'on va faire, en fait. Là, vous vous attendez à que je continue à jouer, que j'allais oublier qu'il y avait un truc pour sauvegarder. Mais non, là, je suis désolé, mais je peux pas faire des vidéos d'une heure tout le temps comme ça. Hein, donc, je vais sauvegarder. Je vais juste optimiser un peu avant, si j'ai de quoi le faire. Vous avez oublié quelque chose? Ouais, j'aimerais optimiser mes trucs. Alors, c'est marrant, parce que là, je spawn direct ici. Donc je vais aller là-bas et puis je vais sauvegarder. Parce que là je peux pas trop avancer non plus. Puis comme ça là ça me permettra ce soir de voir la vidéo de Rudy. Donc le début du chapitre 3, j'espère qu'il a pas été plus loin que moi. Parce que sinon j'arrêterai la vidéo, je lui dirai clairement. Hein, j'ai la suite, je connais pas donc j'arrête. Ça sera un peu chiant. C'est un peu pour ça que j'essaye d'augmenter la cadence et d'avancer un peu près au même rythme. Mais c'est un peu compliqué. Donc là, j'ai pas beaucoup de... Putain, c'est 5000, voilà, ça augmente. Ça a vraiment augmenté beaucoup. Bref. Mais en fait, je peux rien augmenter, quoi. Mais je vais économiser et je pense que je vais prendre une nouvelle seringue après. Parce que mine de rien, ça descend assez vite, ces choses-là. Donc ça, de toute façon, c'est rechargé, on est d'accord. Donc là, il me reste quoi? Tout je vais. Une grenade et 15 balles, ok. Donc, je suis bientôt à fond en termes de balles, donc il faudra que je m'amuse un petit peu à tirer sur les bonhommes. Mais bon, on verra ça dans la vidéo suivante. Donc je vais sauvegarder... Bah là, tac. Voilà. Et je suis à combien? 2h11 de jeu, ah ouais, quand même, ça passe super vite. Bon bah voilà, on s'arrête ici. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, donc j'ai essayé de prendre en compte hein, l'histoire de la luminosité, vous me direz, hein, mais après je pense pas faire plus parce que ça va vraiment être dommage pour moi, quoi. Puis là, dans cette vidéo, je pense que ça va pas trop être gênant pour vous, parce que dans cette vidéo-là, c'est vraiment pas sombre, hein, je trouve. Là, dans tout le village et tout, il y a toujours une source d'éclairage, donc c'est vraiment pas sombre, comme la deuxième vidéo avec les grottes et tout, là c'était vraiment très très sombre, quand on n'utilisait pas la lanterne, bien sûr. Mais là, vous voyez, j'utilise jamais la lanterne et j'ai pas de soucis. Donc j'espère que ça ira de ce côté-là. Donc n'hésitez pas à commenter, puis ben, on se retrouve la prochaine fois sûrement pour un petit boss à tuer ou je ne sais quoi. Enfin bref, le mec qui gueule, quoi. On verra bien. Donc voilà, allez, à plus.